Sadio Mané. Bien sûr, Sadio est là. Le couronnement pour Sadio, meilleur joueur africain de l'année, avec donc ce statut de leader de l'équipe qui a gagné la CAN, qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Et en club, il est allé en finale de la Ligue des Champions européenne, deuxième du championnat d'Angleterre, vainqueur de la Cup de la Coupe de la Ligue. Monstrueuse saison pour Sadio. Ouais, c'est tout simplement logique et là encore mérité. Voilà l'image de tout ce qu'il a pu réaliser. Mais c'est vrai qu'il nous a tellement, tellement plu et impressionné en ce début d'année 2022. Félicitations, bravo. En vous le disiez, en l'espace de deux mois, le titre continental, la qualification pour la Coupe du Monde, on s'est dit, ah, il a accompli un grand, grand pas. Et c'est validé ce soir à Rabat. Voilà le sourire rayonnant, étincelant de Sadio. Il perd de peu la finale de Ligue des Champions européenne. Ouais, c'est vrai. Perd 1-0. C'est vrai que c'était aussi un petit peu attendu que peut-être il a cherché une fois de plus. In English. Okay. On lui demande en anglais. I'm joking. Ah, c'est une blague. Il peut le faire. Any language you said. Wolof. Wolof. Bonjour. L'humour de Sadio. Voilà. C'est une des facettes que les gens connaissent un petit peu moins. Ah, waouh. Elle a. Oui, elle a évidemment en train de faire du bruit dans la salle. Waouh. Il met l'ambiance à la G-Diouf, comme d'habitude. Il ne fallait pas en attendre moins, vous le disiez tout à l'heure. Heureusement. Il est lui-même et c'est ce qu'on aime. Congratulations. Merci. Thank you. On met de l'ambiance ce trophée pour Sadio. Hein. Ah, il est un peu plus dissipé, Elad, mais on connaît, il a toujours été comme ça. Sadio, un petit mot. Bonsoir, monsieur le président de la FIFA. Bonsoir, monsieur le président de la CAF. Bonsoir, chers invités. Je suis très honoré d'être vous pour la cinquième fois de suite. Yes. Et je suis très, très, très heureux de recevoir ce trophée ce soir. Je vais essayer de remercier le président de la Fédération sénégalaise de football et Aliou Cissé, mon coach. Et sans oublier mes coéquipiers en club et en sélection. Et je remercie aussi toute ma famille, depuis Bambali, bien sûr à Dakar, mon oncle. Et je suis même ému, j'ai même pas les mots. Je vais aussi remercier le peuple sénégalais. Bien sûr, je dédie ce trophée à la jeunesse de mon pays.